Not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? Oh la vache, où est-ce que je suis là? Je me suis dit, attends, comment on trouve des objets en plein milieu? Ok, là c'est le moment où je sais que je panique parce que je sais pas où on est. Mais tu vas pas me dire que c'est normal de rien trouver comme ça. Genre rien de rien? Et j'aurais vraiment pas dû faire ça en fait. Oh la vache. Oh, je vois. Terre. Terre à l'horizon, mon capitaine. Maintenant, il faut identifier le... la zone. Mon capitaine. Je ne sais pas où nous sommes. Waouh, ça... ça dit rien de bon, mon capitaine. Sérieux, on est où? On est où, bordel de merde? Je ne reconnais pas. On est sur une île ou on est sur la Terre? On est sur une île. On est sur une île? Ouais. Ah, mon capitaine, je crois que j'ai eu une idée d'où nous sommes. Il devrait avoir une cabane là-haut. En tout cas, j'espère. Sinon, bah, on est mort. Tout simplement. Ah, yes. Oh la vache. Ok. Note personnelle, ne jamais, mais alors jamais refaire cette chose-là. Jamais partir à l'aveuglette comme ça, même si on connaît la zone. Laisse tomber. C'est trop dangereux. Ok, c'est l'heure de manger. Quoique, d'abord ça. Voilà, ça va nous permettre de rester en... éveillé un peu plus longtemps. Parce que ce que je voudrais en fait, c'est que le jour se lève, ça serait vraiment bien. Bon, maintenant il faut passer du temps ici pour monter la chaleur. Ça fait 2 heures. Et il me faudrait du bois. 58 minutes. Ah, c'est pas grave. On allume la lumière. On est obligé. De toute façon, quand on va, comment dire, commencer à pêcher, quand on va commencer à pêcher, on aura plein de... ressources. Par contre, je vais juste l'éteindre. Le temps de vider mon inventaire, parce que là on est plein, plein, plein. Et c'est pas très, très bon. Je vais tout jeter. Tac, tac.
Okay, il nous faut plus de bois. Il fait toujours nuit. On est à 23%. Est-ce que on garde de la nourriture? On a ça et ça. On va garder de la nourriture pour dormir le plus longtemps possible. Là, on va avoir faim. C'est bon. Pas de problème. Maintenant, on va faire un feu à l'extérieur. On va pouvoir. Putain, arrête de parler. On va pouvoir rester à l'extérieur un peu plus longtemps parce que on est en chaleur, on est au maximum. On va faire un feu et on va faire un igloo. Oh la vache, il fait froid. Oh putain, il fait froid de chez froid de chez froid. Ah, attends. Ok, ici c'est parfait, très bien. On va faire un feu pas très loin. Accélérant ça. 100% faire du feu. Ok, très bien. Ok. Est-ce qu'on fait une tisane? Oui. Okay, très bien. Bois, ma petite. Très bien. Maintenant. Repos amélioré, réchauffé. Très bien. J'espère que ça s'enlève pas, le repos amélioré, après 45 minutes. Parce que c'est 45 minutes pour faire l'igloo. Hein. Oh la vache, tu déconnes pas. C'est sérieux, joue pas avec moi, Torres. Torres, joue pas avec moi, s'il te plaît, j'ai pas... Je vais pas rire, là. Désolé, mais je vais faire ça parce que... Il y a du bois, elle vous rendra pas. Te brûle pas non plus, connasse. Je voulais pas t'insulter, Torres, mais... Là, tu m'aides pas, là. Ok. Est-ce qu'on a toujours le repos amélioré? Repos amélioré, yes. Yes. Oh, yes. Oh, yes. Ça, ça, tu manges. Et ça, tu manges. Et maintenant, on dort 11h, 12h, un truc comme ça. 12, ça fait un peu long, mais... 10h. 10 ou 11h. Voilà, parfait. Maintenant, tu dors. Oh, la vache. Ah non, c'est plus... Repas amélioré, non, si. Dors, vite. 11h. Et c'est comme ça qu'on survit. Mon dieu, c'était critique, hein. C'était très très critique. Il fait combien à l'intérieur? Oh, 15 degrés. Oh, c'est terrible, on est tout sec et tout. Oh, parfait. Je voulais voir si on pouvait faire quelque chose ça dans le... Ah yes, on peut dans l'igloo, on peut dessiner. Donc on est où? Cabane du misanthrope. Ah, parfait. En fait, on est à l'endroit exact où je voulais aller. Moins 6 degrés, ça va. On est à l'endroit exact. Donc c'est parfait. On va récupérer ça. Par contre, je sais pas vraiment le chemin que j'ai pris hein, à l'extérieur, hein, quand on était en pleine tempête. Parce que normalement, j'aurais dû faire une ligne droite. On aurait dû y arriver, mais alors très vite. Et au final, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'était pas ça. Hein. C'était pas une ligne droite, ce que j'ai fait. Hein. Bon, en tout cas, on rentre. Ah, ça fait chier, il commence à faire froid. Il
commence à faire froid là-bas. Vous voyez là-bas en face, on voit les maisons. Donc ça, c'est les maisons brûlées. Donc en fait, des maisons brûlées, il faut aller, et on est allé là. Mais c'est proche, hein. C'est tout à côté, quoi. Donc je me demande vraiment ce que j'ai fait comme chemin. Dans l'eau. Dans l'eau. Qu'est-ce que je raconte? Dans la tempête. Parce qu'en fait, je pensais qu'on est allé. En fait, on est allé au bord de l'océan. Donc en gros, je suis allé au milieu, je suis allé près de l'océan. Puis après, je suis revenu ici. C'est très étrange ce que j'ai fait. Enfin bref, on a survécu, c'est le principal. Ah tiens, il y a la carcasse là-bas. Ah. Je vais voir si on peut pas récupérer quelque chose de la carcasse. Ce que je voudrais récupérer surtout, c'est les boyaux. Comme ça, on peut faire des fils. Et on peut faire des hameçons et on peut commencer à pêcher. Parce que ça commence à être un peu chiant, en fait. De pas pouvoir récupérer de la nourriture facilement. Donc ça serait bien. On prend ça, on prend ça. Alors, boyau, fais voir. 1h30. Ok, limite. Limite, mais ça passe. Oui, ça s'est un peu réchauffé. Oh la vache. Il est où? Il est en train de monter ou pas? Il est en train de monter ou pas? Ouais, ok. Ok, vas-y, viens. Ok, c'est bon. C'est bon. Ah putain, la vache. On est à la maison, on est à la maison. Oh yes. On est finalement à la maison. Le truc s'est descendu à 42%, ça va. Oh la vache! Eh ben... On en a chié quand même hein, pour y arriver. Hein. Oh la vache. Donc on a récupéré 5 charbons. C'est bien. Ici, on va mettre cuir, plume. On a 26, ça c'est bien. Ferraille, tissu. Les pointes de flèche. Il fait un peu nuit, hein. Faudrait que j'installe des lumières. Il commence à faire nuit par contre. C'est peut-être pour ça. Je suis content. Je suis content parce qu'on est rentré. Là, on risque plus rien, ça va. On a plein de nourriture. On a plein de nourriture. Ça va. Truc séché, c'est pour faire quoi du coup? Ah, yes, on peut faire l'arc. Ah, ça tue. Ok. Jeune érable séché. Donc jeune érable vert. Et moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai le vert. Jeune érable séché. Ouais, c'est ça, non? Donc ça, c'est pour un arc aussi. Donc à la limite, ça, on s'en tape, quoi. Donc ça, c'est pour encore un arc. Donc tu vas te mettre là. Avant qu'elle se pète des chevilles et tout ça, on va faire ça. Très bien. Donc on va pouvoir faire l'arc et on va pouvoir faire des fils pour aller à la pêche.
Qu'est-ce que j'ai encore à poser? La lampe, on va la ravitailler. Très bien. Qu'est-ce que je vais me poser, moi? Non, fusée, non. Les livres. On va faire un peu le ménage, puis après, on va voir ce qu'on fait. Ça. Les pieds de biche. Putain, on va les mettre, les pieds de biche. Oh la vache. Ça sert à rien d'avoir autant de pieds de biche. On peut les réparer, les pieds de biche. Recycler. Alors, au final, on peut pas les réparer. Intéressant. Hop là. Voilà. Voilà. Très bien. Là, je viens de faire une grosse erreur. Très bien. Torche. On va en jeter une. Elle est où? Elle est là. Ok. Oh putain. On peut dormir à l'intérieur, ça qui est bien. Mais on va pas le faire. En fait, ce que je voudrais surtout, c'est... qu'on puisse pêcher. Parce que pêcher, en fait, c'est passer des heures et des heures à l'extérieur. Donc, une fois qu'on peut pêcher... En fait, le mal de l'intérieur, là, on va plus jamais l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on va passer notre temps à l'extérieur. On va passer genre 10 heures à l'extérieur d'affilée pour pêcher. Donc ça, c'est bien, quoi. Et c'est ça que je veux faire, moi. Moi, c'est ça que je veux faire. Qu'on puisse vivre tranquille, qu'on puisse crafter nos outils. Là, on est bien, là. On est bien en craftage, en craftation, là. On est très bon. Je sais, ça veut rien dire. Je m'en fous. Je sais. Je suis fatigué. Attendez, on a survécu. J'ai cru que j'allais mourir. Mais on a quand même survécu. Moi, je sais plus quoi dire, moi. Ok. Je pensais vraiment qu'on allait y crever par contre. Ça m'aurait fait tellement chier de crever maintenant. Parce que du coup, bah, faut tout refaire de zéro quoi. Alors qu'on avait. On avait fait. Les outils et tout ça quoi. Ça aurait été super chiant. Ok, ça c'est les vêtements ici. C'est quoi ça? Ah oui, les moufles. Quoi? Gilet du... Ah oui, c'est vrai. Ok, boîte à café. Hop. La tisane. Eh bien, là on a le café, là on a la tisane, c'est joli. Marteau. Oh, putain, on a encore un pied de biche ici. Oh la vache, putain. On a les boîtes, on a une scie, on a les allumettes. Les vêtements, c'est bon. Les soins. À la limite, ça, on va en poser une ici. Ça fait joli. Les médicaments, ça, on jette.
À la limite, ça, on va le mettre là. Très bien. Fou, ça ressemble à quelque chose maintenant, la base. Hein. Je sais pas ce qu'on va faire avec ça. Je sais pas si on va le manger ou pas, en fait. Parce que ça, là, on va être malade à 100%. Et je sais pas si ça vaut le coup de le risquer, quoi. Parce que si on est malade... Bon, on a de quoi se soigner, mais c'est ça le problème. C'est que, bon, ce serait un peu... Ce serait un peu pourri de faire ça, non? Enfin, je sais pas. Pour l'instant, on va le laisser là. Oh, j'ai pas fouillé le tiroir. Bah, y avait rien. Je l'ai fouillé celui-là ou pas? Ouais, ça. Là, on a un vrai tiroir. Ok. Là, très bien. Et voilà, voilà. On va déposer le bois. On est à 21 kg. 21 kg, c'est pas top encore. Hein. Je voudrais bien avoir encore moins, mais bon. On n'a pas énorme. Il faudrait qu'on commence à crafter aussi l'arc. Ça nous aiderait. Ça nous aiderait grandement. Ah, je vais voir un peu. Alors déjà, est-ce qu'on peut faire... On n'a pas la ligne. Ok, on n'a pas la ligne. On fait quoi? On fait d'abord l'arc ou on fait d'abord... Non, l'arc, non, l'arc, on s'en tape. On n'a pas de flèche. On n'a pas de bois pour les flèches. Donc à la limite, on fait des fils. Eh oui, on n'a pas de bois pour les flèches. Ça sert strictement à rien. Faut aller récupérer les flèches. Faut aller récupérer du bois pour les flèches. Ça fait chier. Par contre, il me faudra un autre hameçon. Ouais, va falloir qu'on fasse ça. Ça va être notre prochaine... Je sais un peu où aller. En plus, ça nous fera passer du temps à l'extérieur. Donc, je sais plus ou moins où aller. On fera ça. Ah, très bien. Donc là, on a combien d'hameçons? Ah tiens, on va mettre la musique. Voilà. On peut faire encore un fil. I would drink almost anything about now. Ta 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 ta. Il y a combien d'eau? 75. Heureux qu'on avait de l'eau en réserve. Parce que sinon. Et ce qu'on va faire après, on fera du feu, tout ça, on va récupérer tout ce qu'il faut pour faire du feu, du long feu. Et on ira pêcher donc. Et pendant la pêche en fait, on récupérera de l'eau, on récupérera du poisson, etc. On fera cuire le poisson, bla bla bla. Enfin vous connaissez le truc. Hein. Alors, il était une fois... Ah, ça c'est pas de l'histoire. C'est un backer encore. Ça aussi c'est un backer. Toutes les notes qu'on trouve maintenant, c'est que des backers de la bêta là. Enfin pas de la bêta, vous avez compris quoi.
Bon, pas grave. Pas grave, on est au 15e jour quand même. C'est pas mal. On est au 15e jour. On va aller... on va aller récupérer un peu de bois, tiens. Ok. Fait pas trop froid. C'est quoi ça? Oh, même la voiture, elle s'allume. Oh, c'est terrible. Oh, putain, on a beaucoup de viande quand même. Oh, même les voitures. Ça, je savais pas, ça. Oh, ça tue. Oh, oh. Ok, on a du loup. Mais ils ont peur des lumières. Il est où ce con? Ils ont peur des lumières, donc ça va, on est tranquille. Au final, en fait, c'est un méga spot en fait ici. Pourquoi j'avais pas ouvert le capot? C'est bizarre. Parce qu'il y a tellement de lumière pour les aurores boréales, donc on est tranquille. C'est pour ça que c'était très dangereux avant. Hein, avec les aurores boréales. Maintenant, ça va. Maintenant, on peut un peu mieux gérer parce qu'il y a des lumières un peu partout. Tant mieux. Je suis allé à cette voiture. Non. Évidemment que non. Bah maintenant... Putain, si, en fait, si. J'ai pas tout fouillé, en fait. Bon, bah quand c'est hors boréal, on peut se balader autour du camp. Bon, bien sûr, il faut toujours faire attention, mais... Mais bon. Ça, c'est tranquille. Très très tranquille avec les lumières. Faut les voir en fait de loin. Ils sont bizarres les lampadaires. Des tout petits projecteurs en fait. Ils sont étranges. C'est pas comme des grosses lampes en fait qui pendent, non. C'est des tout petits projecteurs qui sont attachés, j'ai l'impression. Très bien. Des filets, ça. Ok. Ce qu'on peut faire aussi, vu qu'on a un casque. Qu'est-ce que je raconte, moi? On a une hache. C'est presque pareil. On peut... casser les... couper les bois. Les bois comme ça, là. Ça, par exemple. Ça fait des du bois de cèdre et tout ça. On peut le faire aussi à la scie, tu vois. On va pas le faire parce que ça prend trop de temps, mais... c'est une bonne chose. Merde, j'ai vu quelque chose bouger, là. Non? Mais voilà, c'est une option, on peut le faire. J'ai envie de faire un camp. J'ai envie de faire un igloo pas loin. Parce qu'on a encore la maladie, là. C'est bon.
On est tranquille, on est tranquille, il n'y a pas de problème. Mmh, hein, tu me fais pas peur. Tu me fais pas peur, le loup. Je ne suis plus apeuré. Alors, putain, on a récupéré que 15. Oh la vache, de la merde. C'est un peu de la merde. Je veux pas dire, mais bon. Est-ce qu'on a doit réparer des vêtements? Il faudrait qu'on répare des vêtements. Ça, on va le faire maintenant. Ou pas. On n'a pas de tissu. Tissu. Faut qu'on en récupère du tissu, tiens. On va aller en récupérer maintenant. On va aller dans la maison en face et déchirer des rideaux. Faire le vandale. Même le panneau il s'illumine. Ça pète, c'est terrible. J'adore. Qu'est-ce qui se passe? Il est où? Ah, ça. Cool. Alors, y'a quoi là? C'est ça. Pas peur. Pas peur. Ça tue. Terrible. Ça tue. Ah, comment je suis content. Oh putain, c'est énorme ce truc. Ce système. Ok. Une heure. Ah putain. Ok, on est reparti. Parce qu'on a la chaleur, donc ça sert à rien. Là, ça serait perdre du temps si on reste à l'intérieur. Alors, faire gaffe, il y a un loup là-bas. On va aller de l'autre côté. Faut s'éloigner des lumières non plus. J'ai l'impression qu'elle clignote de temps en temps en fait. Genre c'est pas une qui par exemple qui marche mal. C'est un peu au hasard donc faut faire attention. Genre elle peut s'éteindre, c'est ça que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Genre ça peut s'éteindre. Ça c'est dangereux par contre. Je voudrais casser du bois, mais en lumière. En fait, il me faudrait un bois qui soit en dessous d'un projecteur, ce serait parfait. Mais un truc qui dure genre 20, 10 minutes quoi, 20 minutes maximum. Genre ça là. Mais j'ai un peu peur de me faire attaquer. Bien.
s'aventure un peu plus loin pour récupérer plus de bois. Et après, demain dans la journée, on va aller pêcher. Je crois. On va commencer notre pêche. Je vais regarder ce qu'il y a là-haut. Ah, quoique non. Non, on va pas commencer notre pêche. Non, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... aller... c'est vrai qu'on a besoin d'eau aussi. Ah, fait chier. Parce que la pêche, c'est synonyme d'eau, hein, évidemment. Parce qu'on va faire de l'eau aussi. Mais ce que je voudrais faire surtout, c'est aller récupérer des bois, quoi. Pour des flèches. C'est ça, le truc important, quoi. Je sais pas s'il y en a dans les alentours. Je sais où c'est qu'il y a un spot avec genre 2-3, mais là, je sais pas. On va voir un peu sur les hauteurs, parce que si jamais on se fait courser, on peut directement tracer vers le bas, on descend. En sprintant, ça va très vite. Donc on va aller un peu sur les hauteurs. Même s'il n'y a pas trop de lumière. Bon, on va rentrer. Là aussi, il y a des lampes. Ah non, c'est juste la lumière comme ça. J'en vois pas, hein. Non. Pas l'air d'en avoir dans les alentours. Bon, par contre, ça... Merde, je suis trop descendu, ça y est. Voilà. Ok, c'est ce que je craignais aussi. C'est le coup de l'aurore boréale qui s'arrête. Oh merde, je vois quasiment rien. Oh la vache. Ok, on est bon. Oh la vache. Ok. J'ai fait le con, je suis allé trop loin. Eh hey. Cours. Fou. Ça c'était un peu dangereux par contre. Ça c'était... C'était légèrement dangereux de faire ça. Parce que pas d'erreur boréale pour nous protéger, c'est super dangereux. Ok, ah ben voilà. Là on a un joli tas là. Là on a un joli tas. C'est bien, c'est très très bien. Là, je suis content. Ok. Ah c'est bien, cool. Qu'est-ce que je voulais faire? Risque de l'enfer en 27%, ça va. C'est bien ce qu'on a fait. Notre excursion là, comme ça, pour récupérer du bois, machin et tout, c'est cool. Ça, on n'a pas besoin pour le moment. Tu reviens là. On a 3 bouteilles d'eau, ça fait 3 litres. On a combien sur nous? C'est ça le problème, c'est l'eau en fait. 2 litres, ça fait 5 litres en tout. C'est très peu en fait pour aller se balader loin et récupérer du bois. Faut que je trouve un endroit en fait pas trop loin. Et après, pêche et eau. Nourriture et eau. Je vois que ça. Il fait bientôt jour. On va aller manger et on va dormir. Fais voir un peu si j'ai pas... autre chose à faire. Non. On va manger et on va dormir 5 heures. Voilà. À peu près. Et on sera bon.
Voilà. Encore un. Voilà. Et après, on a du 400, 200. Ah, 800, ok. 800. On n'a pas énormément de 800 au final, hein. On en a deux, mais après, bon, on a au moins 2000 calories à peu près. Mais je pensais vraiment qu'on en avait plus. Je suis un peu étonné, en fait. Enfin, c'est pas grave. Allez. Bonne nuit. Et après, on... Voilà, on... Ce qu'on va faire... je vais que je regarde vite fait un peu l'équipement. Donc comme j'ai dit, on va partir pour récupérer du bois. Et après on ira pêcher. Alors je sais pas si on va pouvoir pêcher et récupérer du bois dans la même journée. Ça serait bien. Ça serait très bien de pouvoir faire ça. Si jamais on peut pas, on fera ça en deux temps quoi. Genre on ira chercher du bois le lendemain. Puis après, le jour d'après on ira... On ira à la pêche, voilà, tout simplement. Donc on a ça, on en a 4 de fil. C'est très bien. J'ai des outils pour casser la glace. Et il va falloir que je prenne du bois avec moi. Bah merde. J'ai pas vraiment de bois, en fait. Faudrait que j'aille casser du bois. Ou alors j'utilise ça. Ah merde. Je sais pas. Parce que ce bois-là revient au bout d'un moment. Donc 22, ça fait quoi? Ça fait 2 heures. 29. Et le temps qu'on se vadrouille et tout ça, on va sûrement récupérer encore. Ouais, c'est bien. Non, c'est bon comme ça. Allez, dormir. Et on se réveille. Et je n'avais pas mis mes lunettes. Alors. 34%, c'est bien. Ouh, j'entends une saloperie de tornade. J'entends une tornade, une tempête. On est le matin. On a bien récupéré en vie. On a 59%, c'est si je suis content. On a des bons vêtements, je suis content. Donc on avait dit... On allait récupérer du bois pour faire des flèches. Parce qu'en fait, le temps qu'on perd là, genre à pêcher tout ça, c'est le temps qu'on pourrait passer à... attendre que le bois sèche, en fait. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, je regarde juste vite fait ce que j'avais fait ça dans la nuit. Dans le noir, donc je veux voir si j'ai pas foutu le bordel. Non, ça va. Ça va, ok. On est à 25 kilos. 25 kilos, c'est quand même lourd, hein. Ça, je sais pas si je le jette, enfin, je le laisse là ou pas, parce que de toute façon, on va aller pêcher à un moment ou à un autre. Donc à la limite, on le prend avec nous, quoi. On a aussi du bois, normalement, ouais, 29, c'est bien. Ok, bon, on va y aller. On va y aller. Par contre, on va passer par là, parce qu'on va passer par l'arrière. Alors, si vous vous rappelez, on va passer par... J'ai un livre à lire, juste au cas où. Si on est bloqué, on va prendre un livre. Si vous vous rappelez... Oh, on n'a pas de bouffe sur nous. Merde. Merde. On n'a pas de bouffe et on n'a pas à boire. Hein, moins 34, oh la vache. C'est très bien. On va passer par l'arrière. Donc l'arrière, il y a une petite maison. Il y a une petite maisonnette. C'est en fait c'est le chemin qu'on avait pris la première fois qu'on est arrivé à la
dans cette zone en fait. Voilà, tout simplement c'est le même chemin. C'est le chemin qu'on avait fait mais à l'envers. Donc il y a une maison, c'est qu'on va pouvoir s'arrêter et s'abriter. C'est de l'eau que je voulais, moi, merci. Donc on va faire ça. On a combien sur nous? On a 3 litres. On n'a pas beaucoup, hein. On a vraiment très très peu. Donc il va falloir faire du feu. Je fais des rimes. Et dans cette zone là en fait, bah, on va faire un peu le tour et on va récupérer bah, du bois. Voilà, tout simplement. Alors par contre c'est vraiment le temps merdique. Moins 31, c'est vraiment le temps pourri, quoi. Mais on est léger. On va peut-être faire même une escale ici. Vous voyez la route qui est sur la droite, enfin, c'est la route qu'on va devoir prendre. Alors à la limite, on pourrait peut-être attendre un peu ici. Le tissu, je dis pas non. Ce qui est bien, c'est d'avoir du tissu et du bois sur nous. On va pouvoir faire un igloo si jamais on a un problème, par exemple. Ça, c'est cool, ça. Les igloos, c'est quand même important. Franchement, c'est des trucs un peu chiants à construire, parce que déjà, il faut 45 minutes. On va encore attendre un peu. Il faut déjà 45 minutes. Ok, parfait. T'es déjà à 31, ma poule? Qu'est-ce que t'as fait? Ah oui, bah oui, on a pris l'eau, en fait. Ah, putain. Bon, bah voilà, on a un très beau temps, on a très bien fait d'attendre. Donc les igloos, ouais, voilà, c'est chiant à faire parce que bon, 45 minutes déjà d'attente. Et après, il y a toujours... il faut 15 bâtonnets et 5 tissus, donc c'est pas... Hein, pas très simple. Bon, par contre, maintenant, faut faire gaffe. Parce que c'est possible qu'il y ait des bestioles. Ce qui est bizarre, j'ai l'impression que l'élan, il est parti, hein. Ou alors, c'est peut-être parce que c'était une tempête et en fait, il se cache. J'en sais rien. J'en sais strictement. J'essaye de trouver une logique. Hein. C'est peut-être ouais, parce qu'il il s'en va, quoi. Parce que quand il y a des tempêtes, la plupart du temps, on voit aucun animal. Donc, à la limite, peut-être ça, moins 10, ça va. Peut-être à la limite, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Ok, alors attendez que je me trompe pas. On va aller là. Donc voilà, ça c'est les petites maisonnettes dont je parlais là. On peut s'arrêter. On peut s'arrêter là-dedans et attendre. Donc ça c'est bien. Mais nous on va continuer parce qu'il fait pas très froid. Oh la chape macha. On va faire l'autre côté du coup. On va passer par là. Parce que je sais qu'il y a un bois ici. Enfin, une possibilité. Quand je dis qu'il y a du bois pour découper, c'est pas 100% à chaque fois. Hein. C'est des... C'est des zones de spot en fait, en gros. Donc je les connais un peu ici, donc c'est pour ça que c'est bien. Comme j'ai dit, c'est pour ça que c'est bien l'autoroute côtière. Parce que je connais pas mal d'endroits. Bon là, j'allais dire l'arbre, mais c'est pas un arbre, c'est un ours. L'ours fait un peu chier. Il va falloir qu'on monte. On a un peu froid. J'aurais voulu faire le tour en fait. Sans avoir froid, mais ça va être chaud. Enfin, ça va surtout être froid. Ah, arrête. Arrête de faire des blagues de merde. Désolé. Alors, je sais plus exactement où il est le bout de bois, là. Enfin, s'il faut, il n'y en a pas, donc je fais ça pour rien, mais bon. Faut un peu regarder de temps en temps. Fais voir un peu. Pas trop tomber trop bas. Je vois que dalle, c'est cool. Peut-être faire le tour. Oh la vache, je peux pas remonter. Ça c'est un peu chiant. Franchement, il faudrait une action comme quoi on puisse pas escalader, bien sûr, pas escalader d'une montagne. Je demande pas ça parce que sinon ça deviendrait trop facile. Mais genre enjamber. Allez, enjamber juste ça, juste enjamber un petit morceau de terre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, il est où? Il est où? Il est où le... Il est à gauche ou à droite? Il est là, il remonte, ok. Ok, il remonte. Il m'a senti. Il m'a senti. Bon, il n'y a rien là, allez, on se casse. Là, on commence à avoir froid. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est se mettre à l'abri là-haut. À la tour. Donc on peut faire ça aussi, c'est permis.
En plus, je suis sûr que c'est fait exprès, le coup de l'ours. Je suis sûr que c'est fait exprès. Genre, ah tiens, tu viens chercher des choses importantes, genre le bois pour faire des flèches ou des conneries comme ça. Bah tiens, tu te tapes un ours. Je suis sûr que c'est fait exprès. Ils se sont dit, tiens, on va foutre un ours juste ici. Comme par hasard. Comme par hasard. Ok, là on arrive aux maisons brûlées. Les maisons brûlées, c'est où c'est que, si vous vous rappelez, c'est où c'est qu'on a foutu la corde. Et qu'on n'avait pas emprunté, parce que j'étais descendu autrement. Donc à la limite, on peut prendre la corde pour remonter en fait plus facilement. Mais bon. Ah oui, il y a des lapins ici. Ah, c'était sur toi. Ah, voilà. Désolé. Pas de bâton ici. Vite, 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 vite. Ok. Ok, ok, ok. Parce que là, on a trop froid. J'ai pas envie de perdre trop de vie, en fait. À cause du froid, c'est ça, le truc. On avait tout fouillé la dernière fois, ouais. Ça fait longtemps qu'on était venu ici. Là, on a quoi? J'avais laissé quoi? Je prends des chaussettes, non? Attention. Un bouquin, d'accord. C'est pas des chaussettes. Bon, on peut dormir ici, c'est pas mal. Alors recycler à la main. À la main. Comme ça, ça nous réchauffe. Je vois pas comment à la hache ça peut faire une heure. Genre c'est plus facile à la main qu'à la hache. Ça a pas de sens parce que bon. À une hache, c'est comme si tu avais un couteau, parce que ça coupe, ça tranche. Donc pour dépecer un truc à la main, ça doit être super chiant, non? Pas vraiment de sens. Ah non, le temps, il se lève. Il se gâte. Non? Je sais pas. C'est pas grave, on se casse. On rentre pas les mains vides. Oh yes, moins 9, cool. On rentre pas les mains vides, il nous faut absolument du bois en fait. Ok, on a la corde, qu'est-ce qu'on fait? On fait la corde maintenant ou pas? Je sais pas trop si ça vaut le coup en fait de prendre la corde. Parce que la corde ça va nous fatiguer, c'est ça le problème. C'est que ça va beaucoup, beaucoup nous fatiguer. Alors après on a toujours la tour pour dormir, hein, mais bon. Je pourrais pas trop dormir... Je voulais faire le tour de la map en fait, récupérer du bois et voilà quoi. Mais au final, je crois pas que ça va arriver. Ça porte bonheur. Lydia, Sylvie, merci. Je crois qu'on va devoir prendre la. Ou alors je fais tout le. Non, je fais pas tout le tour, ça va prendre 3 heures. Par contre, je crois qu'il y a plein de plumes. Ou c'est des plumes ou c'est du. Ou c'est des cailloux? Je crois que c'est des cailloux, merde. Ah ouais, mais attends. Je parle de prendre de la corde, mais est-ce qu'on peut, déjà? Parce qu'il faut être en dessous des 30. Je suis à 31,70, ça va pas le faire. La blague. La putain de blague. Putain. Oh la vache, tu te fous de ma gueule quoi. Bon. C'est bon, escalade. J'avais dit que cette corde elle serait utile. Parce que sinon il faut ou faire tout le tour par la droite ou faire tout le tour par la gauche. Donc. Voir comment ça nous fatigue ou pas? Non, au final, pas trop. Enfin, si, quand même. Beaucoup plus que la normale. Ouais, c'est des gros... Des gros morceaux de fatigue, en fait, qu'on perd. C'est chaud. C'est grave.
C'est pour ça que ça c'est relou ça. Ah ok, là c'était un truc qu'on a coupé. Putain, vas-y, reprends ton souffle, c'est bon quoi. Tu vas pas crever. Normalement, on n'a pas besoin, je crois, de prendre cette corde-là. On peut monter sur la gauche. En faisant un peu d'escalade, je suis pas trop sûr. J'ai rien dit. Oh mon dieu, je suis bloqué. Oh la vache. Ah, ça va. Oh non, elle est fatiguée. Oh putain de merde. 28-48, ok. Merde, elle fatigue. 28-46. Oh la vache. Oh mon dieu de mon dieu de mon dieu. Ok, ça c'est pas bon ça. T'es sérieux? Putain, t'es sérieux. Je veux pas laisser du bois en fait. Putain, on le reprendra quand on redescendra. Ah, oh, c'est pas grave. Oh, fais chier. Oh, quelle merde. On le reprendra. Je t'ai... Let's go. Bon là par contre on va être obligé de dormir du coup. Elle va être épuisée la fille. Tu peux y arriver Torres. Torres. Oh, comment c'est blanc. Oh mon dieu. Torres, vas-y. Esmeralda, vas-y. Esmeralda, vas-y. On y est. Oh la vache. Oh la vache, on a réussi. Tour de vie abandonné, c'est on y est. Oh la vache. C'est pas le super run là. Oh la vache, on a eu de la merde. Je pense qu'on va tout simplement dormir et Ouais, allez, on va aller dormir. Et on sortira la nuit. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez pas que c'est un peu exagéré, quand même, le fait qu'elle soit aussi fatiguée? Après, je sais que l'escalade, j'en ai fait un peu, je sais que c'est crevant, mais... En fait, ça devrait pas autant taper dans la réserve, genre dans le sommeil, quoi, parce qu'elle devient fatiguée, genre elle a envie de dormir pendant 3 ans, pendant 10 heures après, quoi, c'est un peu abusé, je trouve, non? Enfin bref. Ah oui, c'est tous les vêtements qu'on avait laissés, exact, exact. De charbon. Faut manger un peu. Il n'y a que ça en bouffe. J'aurais dû en prendre plus. Pourquoi j'en prends jamais assez, moi, de la bouffe? Hein? Pourquoi j'en prends jamais assez? Ouais, c'est bon. Comme ça, on pourra repasser encore une petite nuit dehors. Enfin, pas dehors, mais...
C'est bien aussi de dormir ici parce que du coup, en fait, c'est considéré comme si on était à l'extérieur. C'est pas mal, je crois bien. Donc ici, c'est un bon camp, en fait. Man, I could eat anything. Bon, c'est un peu chiant, par contre, d'être ici. Une heure, deux heures. Ah, t'es chiante. Tu veux voir un peu? Moins 41, t'es sérieux? On va redormir, on va continuer. On va continuer notre nuit. C'est un très bon endroit en fait pour dormir, pour se reposer. Je trouve moi. Très très bon endroit. Ok, très bien. Maintenant on se casse. C'est plus ou moins pareil. C'est terrible, c'est horrible. Plus ou moins la même chose. C'est de la merde. Il fait ultra froid. Oh la vache. Bon, on n'a pas fait tout ça pour rien. Parce que si vous vous rappelez, je sais pas si vous vous rappelez, parce que c'était sûrement au premier, deuxième ou troisième épisode peut-être. Sur ce chemin, à droite... On était en train de mourir de froid, et on était en train de tracer en fait, bah, pour pas en crever du froid du coup. Et à un moment on a vu sur la droite des bâtons, et j'ai dit « Ah, faudra les prendre ceux-là ». Et voilà, bah, c'est où c'est qu'on va, exactement à cet endroit-là. Maintenant il faut les retrouver, par contre il fait quand même très très froid. Bon il fait moins, ouais ça va, ça se réchauffe parce qu'il commence à faire jour, mais c'est quand même la merde. Je crois que c'est après ce petit endroit là. Oh ! C'en est un ça. Il n'y a qu'un seul. Oh merde. Qu'un seul. Chier. Il n'y en a qu'un seul. Je crois qu'il y en a d'autres aux alentours, mais... Je me rappelle plus exactement en fait. Entorse au poignet. Oh, terrible. Comment tu t'es fait une entorse au poignet en fait? Comment tu t'es fait une entorse au poignet? T'es pas en surpoids? Et t'étais en train de marcher? J'ai l'impression que des fois, le jeu, à force je fais toujours de l'escalade, moi, vous avez remarqué. Des fois, je me demande si c'est pas à cause de ça, en fait, que j'ai des choses qui m'arrivent comme ça. C'est pas la première fois, en fait. C'est vraiment pas la première fois. C'est très étrange. Et à chaque fois, c'est au poignet. Ce serait très bizarre. Alors je sais où c'est qu'il y a un autre endroit. Mais je voudrais bien en fait récupérer mon bois. J'aimerais bien... Oh
Oh mon dieu. Bon, ça va, je retourne sur la route, c'est bon, j'ai compris. Ce qui est embêtant, c'est que je sais que c'est là. Je crois que c'est là. Enfin, je sais et crois. Je suis pas sûr. Non, c'est pas là. Je crois que c'était une sorte de plateau. Je sais pas si... J'espère qu'on voit bien. Enfin, moi, j'arrive à distinguer. Là, il y a une corde. Est-ce que je vois que dalle? Ça m'aide pas vraiment en fait, ça m'éblouit plus qu'autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Y'a rien. Que dalle. Même putain. J'ai l'impression en fait d'avoir une mauvaise chance énorme pour les bois. Ou alors la merde alors. Oh merde. Oh non. Non 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 non, me fais pas le coup. Me fais pas le coup que je peux pas monter. Oh, je peux pas monter. Non, c'est bon. Ouf, la vache. Déjà eu peur. J'ai l'impression que j'ai... Ouais, j'ai pas de chance du tout, en fait, pour trouver des flèches. Et ça, ça me perturbe, en fait, parce que... Pas de flèches, ça veut dire pas de combat, hein. Si j'ai que deux flèches, je vais pas aller loin non plus. Ça me... Hein? J'aime pas ça. Après, où est-ce qu'on pourrait aller? Parce que j'ai plus trop de... Ah oui, peut-être dans le au lac, là. Sur les petites îles. Des fois, il y a du... Je crois qu'on avait vu des bois, mais je suis pas trop sûr. Ça va, ça va. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Par contre, on a déchiré des vêtements. Donc, on va faire attention. Les chaussettes, elles ont ripé. Je vois que dalle. Ah, j'ai jamais fouillé ici. Cool. This stuff will come in handy. Waouh, allumette, ça marche. Bon. C'était pas vraiment le top cette excursion. On est retombé, on a un poignet foulé, enfin un poignet tordu, une cheville foulée. C'est vraiment une idée de merde apparemment. Ah la vache. J'ai dû laisser mon bois, enfin voilà quoi, c'est...
Vous êtes hors de la cheville, immobilisé, réduit jusqu'à ce que vous soignez ou que le temps fasse le travail. Eh ouais. Fingers are numb. Moins 16. Je devrais attendre un peu pour me réchauffer. On va se réchauffer un peu. On va se réchauffer, on va réparer nos vêtements. Évidemment, pourquoi, pourquoi je demande. Il n'y a pas des rideaux ? Rien faire encore, fait chier. Voilà. Et où la sortie, putain. On est reparti. Moins 19, fait brumeux, c'est pas bon ça. Donc, résultat des courses, on a perdu notre. On a perdu du bois pour l'instant. On a moins de bois que quand on était revenu. Enfin, quand on était parti. On a plus de bouffe et on a presque plus d'eau. Et on a récupéré un bâton. C'est pas. Hein ? Ça pourrait être mieux quand même, non ? Je sais, t'as mal. Là-bas, il y a un cerf. C'est un cerf, c'est pas un élan, ouais. Parce que je me suis dit, putain, si t'imagines, c'est un élan, il vient, il me défonce la gueule. Qu'est-ce qu'on a là ? On a du mushroom. On va tout prendre. On va tout prendre, ça fera des ressources. Okay, très bien. Si vous voyez un bout de bois qui traîne, vous hurlez. Ah ! Ah, dis-moi que c'est le bon, dis-moi. Dis-moi que c'est pas le truc vert en fait, pas jeune boulot, je crois que c'est ça, ça c'est des flèches. Ok, 2, 2, 2, 2, 2, c'est un peu comme les clés dans Fort Boyard. 2, yes, sors, t'as la clé. Putain, quelle merde quoi. Quelle merde. On n'est pas loin du camp. Le camp, il doit être là-bas, hein, je crois. Donc on est vraiment pas loin du camp. Ça, c'est cool. C'est sympa. On le pousse, en fait, vers... le pousse vers... vers le bas. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Une maison? Ah, je peux pas sprinter. C'est une maison brûlée. Enfin, détruite, quoi. Ah, je suis déjà allé. Ok, ça marche. Ça marche. Voilà, et hop, voilà, on est de retour. Aou. Et on est de retour, tout simplement. Donc, bah, résultat des courses, c'est pas la joie. Qu'est-ce que je veux que je vous...
Reste cool. C'est bon. C'est pas la joie, mais on se défend. Ok, très bien. Alors, on va déjà poser les bois. Tac. On a du bois. C'est con que j'ai pas genre une table pour les... plusieurs tables pour les mettre. Parce que bon, les mettre comme ça, là, par terre, c'est pas... c'est pas joli, quoi. Je pense qu'on va boire et dormir. Non, on va pas dormir. Quoique si, on va dormir genre 2 heures. 2 heures pour que on soit plein et après on va pêcher. Comme ça, on fera du feu et on fera de l'eau. Ouais, ça sera bien ça. Et il faut se réchauffer aussi, tiens. Faut qu'on se réchauffe. On a que ça pour le feu. On a ça aussi. On a un paquet d'adulomètre, on va le jeter. Tout jeter. J'ai envie de prendre un charbon. Mais bon. deux secondes, je me vide un peu les poches. Voilà, très bien. Voilà, très bien. On va aller pêcher et faire de l'eau, pêcher les poissons, brûler les poissons, enfin les cuire, etc. 2 heures.